Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode et une vidéo unboxing. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas fait ça, donc je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Filtex qui m'a contactée il y a peu pour me proposer de m'envoyer les produits que je souhaitais sur leur site. J'ai découvert cette marque du coup par le mail, j'ai trouvé que le concept était super, donc il s'agit en fait de friperies qui sont ouvertes à tous en Ile-de-France, à Paris. Et ils ont créé il y a peu un site internet du coup de friperies, donc c'est exactement le même genre que Guérisol et d'autres friperies en ligne, etc. Voilà, le but c'est que ce sont des pièces à petit prix, des pièces soit neuves mais qui n'ont jamais servi, donc je pense que ça doit être des fins de série ou quelque chose comme ça, soit de seconde main, soit même vintage. Et du coup j'étais très très contente qu'ils me contactent pour me proposer cette collaboration, donc j'ai tout de suite dit oui. Oui, ils m'ont envoyé un code promo pour que je puisse choisir des vêtements. Donc j'ai pu choisir quelques vêtements et j'ai ensuite moi-même passé commande, tout simplement parce que j'avais trouvé trop de choses qui me plaisaient. Donc voilà, il y a aussi un code promo pour vous qui est du coup JoYouTube, je vous le marque juste ici et il sera aussi dans la barre d'infos. Et j'en ai un second pour Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je ferai des posts liés à Filtex et évidemment je vous marquerai le code promo. Eh bien écoutez, on va y aller tout de suite. Je vous montrerai évidemment les vêtements portés qui seront insérés dans la vidéo. Et c'est parti. Donc j'ai reçu deux colis. Je les ai reçus hier, donc nous étions le 21 novembre. Sachant que Filtex m'a contacté la semaine passée, donc vendredi dernier, ils m'ont répondu lundi. Oui, ils m'ont envoyé lundi soir, le 16 novembre, le code promo pour que je puisse commander. J'ai passé commande lundi soir je crois, donc le 16, et le 17 j'avais déjà reçu des mails comme quoi ils préparaient ma commande, et j'ai reçu tout ça samedi, donc ça allait vraiment rapidement, surtout en cette période de confinement où on sait que ça prend un petit peu de temps, etc. Donc je suis super contente. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par celui-là parce qu'il est plus fin. Et puis parce que de toute façon je sais ce qu'il y a dans les trois, mais là il y a plus de choses, là il n'y a qu'une seule chose. Donc c'est parti. Donc juste comme je vous le disais, ils m'ont envoyé eux un code promo et moi j'ai commandé ensuite, je me suis servi honnêtement d'un de mes codes promo parce que tant qu'à faire autant en profiter. J'avais un code promo de 50€ et l'autre était un code promo de 20%, donc en tout et pour tout je crois que moi j'ai dû payer un peu moins de 50€. Alors que tout ça me revenait à plus de 100€. Donc voilà. Oui, j'ai dû payer avec les frais de port, etc. Oui, j'ai payé 34,19€. Et j'avais un code promo donc de 50 et de 20%. De 11€. Donc c'est parti, on va ouvrir. Déjà, on a le petit truc de Colissimo. J'ai un petit mot qui me remercie d'avoir passé commande. Donc, nous collectons les vêtements, le linge de maison et les chaussures, mais notre vœu le plus cher, c'est de réutiliser le linge. En effet, le recyclage, c'est bien, nous devrions recycler les vêtements qui ne peuvent plus être portés. Or, il s'avère qu'une partie des vêtements que nous collectons se trouve être dans un état neuf ou proche du neuf. Alors, sur Filtex Shop, on vous en fait profiter au meilleur prix. Donc, dans un souci écologique, nous essayons de limiter notre empreinte carbone et pour maintenir les prix toujours plus bas, nous réutilisons les cartons que vous nous envoyez pour expédier vos commandes. On vous encourage à faire de même. Vous pouvez revendre vos vêtements et même réutiliser les cartons pour les prochains envois. Franchement, c'est super, je trouve c'est super cool. Et donc derrière, ce qu'ils ont fait, c'est que donc là, il y a la petite ce truc. Et derrière, c'est écrit liste des courses à accrocher sur le frigo. Pour que du coup, ça serve aussi. Je trouve ça vraiment très très bien. J'ai aussi une petite carte, j'étais pas du tout au courant. Je vais l'ouvrir. Joséphine, merci pour votre commande. Au plaisir de vous revoir, à bientôt. L'équipe Filtex Shop. Pardon. Alors, premièrement, j'ai reçu ça. C'était pas du tout dans ma commande. Je pense que c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'ils m'ont offert. C'est un sac. Bon, Escada, du coup. Bon, il est pas, je trouve pas forcément magnifique, mais il est vachement pratique. Par contre, il est super grand. Je pense que genre pour aller faire ses courses et tout, ça peut être très cool. Donc bah écoutez, plutôt
plutôt pas mal. Et donc ça se présente comme ceci. Je suis désolée pour les petits bruits. Alors, voilà la première pièce. C'est une pièce Sonia Riquiel, made in France, qui est comme ça. C'est une veste. Elle est magnifique. Elle a des petites... on voit pas trop, mais elle brille un petit peu. Si, vous voyez peut-être un peu, je sais pas. Avec des boutons comme ça, elle est magnifique. Alors, c'est une taille 40, mais je l'ai quand même commandée parce que j'aime bien porter les vestes un petit peu oversize. Et je me suis dit peut-être que je pourrais la porter en robe. Bon, je suis pas si petite que ça, donc je suis pas sûre. Mais en tout cas, elle est magnifique. Et je suis très contente. Franchement, elle est magnifique. Enfin, vraiment trop belle. Je suis très contente. Donc voilà pour la première pièce. Et on va ouvrir le deuxième colis. J'ai donc un autre cadeau. Cette fois-ci, c'est une boîte de lunettes. Ça tombe bien parce qu'il m'en manque. Donc bah, comme tout à l'heure, j'ai exactement les mêmes choses. Toujours la petite carte aussi. Je pense que c'est écrit la même chose aussi. Je trouve ça super gentil qu'ils écrivent des petites cartes comme ça pour remercier. Au plaisir de vous revoir et tout, enfin, c'est cool quoi. Donc, toujours comme tout à l'heure, ça se présente comme ça. Alors, la première chose que j'ai commandée, très étonnant de ma part, il s'agit de ce sac que je trouve beaucoup trop mignon, tout doudou, comme ça, léopard. Il se ferme, donc il y a une petite fermeture éclair. Et honnêtement, on peut pas mettre grand chose dedans, c'est plus pour les soirées ou quoi, mais je le trouvais trop mignon. J'ai tout de suite craqué et franchement, il n'était pas très cher, donc je suis super contente. Il est trop beau. Deuxième petite chose que j'ai commandée, un pantalon Guess. Alors, c'est en 38, c'est une sorte de legging. Peut-être qu'il me sera un petit peu grand parce que je fais du 36, mais bon. Alors voilà, il est comme ça, il est bien élastique et derrière il est comme ceci. Là j'adore la couleur, elle est très jolie et je pense que ça ira, faudra que j'essaye. Il a l'air d'être pas trop taille haute, un petit peu mais pas trop. Et en fait c'est vrai qu'en ce moment mes jeans, je mets pas mal de jeans pour aller au travail et au niveau des genoux je trouve qu'ils s'affaissent énormément, c'est super chiant. Et j'aime bien être très à l'aise dans mes vêtements. Et du coup, c'est vrai que notamment quand je travaille, par exemple aujourd'hui, enfin ce week-end, je travaille. Et la vie fait que c'est tombé sur le week-end où j'ai mes règles. Donc autant vous dire que quand c'est comme ça et que je travaille, j'aime bien être quand même très à l'aise dans mes vêtements. Et donc j'aimais beaucoup ce jean et je le trouve super joli. Alors ça se voit qu'il a été porté parce que là il est un petit peu... comment dire? Enfin voilà, on a... Il est un petit peu affaissé, pas comme un jean qu'on peut voir habituellement. Mais il est très beau. Et la dernière pièce que j'ai commandée, c'est une autre veste. C'est une veste Armani. J'ai commandé que des marques presque. Qui est comme ça. Je pensais pas du tout que c'était cette matière. Mais alors vraiment, pas du tout. C'est... comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le mot. Alors attendez. Je sais pas. Bref, je sais plus comment ça s'appelle cette matière. Si je retrouve le nom entre temps, je vous l'écrirai. Mais je pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la taille qui est hyper fine, qui est plus fine en fait à la taille tout simplement. Et je trouvais qu'elle avait l'air super jolie. Elle est très jolie, hein. C'est juste que je suis un peu étonnée par la matière, on va dire. Et je pense que avec le petit pantalon, le petit jean là, elle ira très bien. Même par-dessus une robe, je pense que ça peut être cool. Donc voilà. Écoutez, bah voilà du coup pour mes petites commandes et cette petite vidéo collaborative du coup. Je suis très contente de ce que j'ai choisi honnêtement. J'ai pas voulu choisir trop de choses parce que les prix étaient très attractifs. J'avais vu notamment un autre sac et une jupe qui me plaisait beaucoup. Mais tout simplement je me suis dit que je préférais acheter des choses que j'étais sûre, voilà, de porter. Et bah voilà, c'était plus ça, j'étais sûre de les mettre assez régulièrement, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je voulais remercier Philtex du coup de m'avoir proposé cette collaboration, ça m'a fait super plaisir de connaître le site et bah du coup maintenant j'hésiterai pas à passer commande
par moi-même aussi. Je vous recommande vraiment le site, il est plutôt bien fait je trouve, et en plus on trouve vraiment de tout ce qu'on veut, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, femmes, hommes, enfants, même linge de maison, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, ciao les gars!